Donc, nous revoici auprès de la 964 Carrera 2 Cabrio, après avoir fait le tour des sous-bassements et de la mécanique, nous voilà sur le dessus. Donc visiblement, hein, comme je vous le disais, c'est une voiture qui a été mal entretenue, qui a dû dormir dehors pas mal. J'en obtiendrai la provenance, mais enfin ça se voit sur le Carfax. Mais c'est une voiture qui n'a pas été garagée depuis un moment parce que la vitre arrière est toute jaune, le vernis de peinture est bien pelé, ici la capote est déchirée, les rivets sont rouillés, le vernis part, donc c'est une voiture qui a quand même subi, hein. Essayez de pas, ça s'ouvre, ouais, donc voilà à l'intérieur. Bon, les panneaux de porte lessivés, ça irait. Le tableau de bord, forcément, est fendillé. Le reste de la planche est pas mal. Autoradio moderne. Par soleil, sale et craqué. Le dessous de capote est très sale. Les sièges totalement déchirés. Donc, c'est une voiture qui, visiblement, a vécu au soleil. Hein, pour que la sellerie soit abîmée comme ça. Elle n'a pas été bien garagée et elle a appartenu à un souillon jusqu'à ce que Beverly's mette leur main dessus. À l'arrière, la sellerie est sale également. Donc elle a besoin d'un bon lessivage ou d'une sellerie complète, peut-être d'une autre couleur. Ceci dit, donc elle semble être en peinture d'origine parce que je ne vois aucune trace de brouillard de peinture. Parce que souvent ces voitures-là sont repeintes avec tous les éléments en place. Donc on trouve de la peinture sur les joints. Et ici, on n'en a pas. Ni sur les gages de porte. Donc là, la capote a souffert au même endroit des deux côtés. Les joints, par contre, paraissent propres. La rayure, donc je sais pas si c'est le chien qui était content de voir papa. Ah bon. Oh! You know how to turn that off?